Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Zinoplay. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de Art of Rally, mais avec une touche particulière, c'est une version mobile. Je suis enthousiaste de vous partager mes pensées sur ce jeu. Alors, sans plus tarder, abonnez-vous, activez la cloche de notification et c'est parti. Art of Rally est un magnifique jeu de course développé par Fun Selector, sorti initialement sur Steam. Et il est désormais disponible sur les appareils iOS et prochainement sur Android. Mais comment cette expérience de rallye de poche se compare-t-elle à son homologue sur grand écran? Découvrons cela dans cette vidéo. Premièrement, les visuels de Art of Rally conservent la vue de dessus rétro-signature, à la fois charmante et fonctionnelle. Le style artistique minimaliste capture l'essence de la course de rallye classique et les environnements sont magnifiquement réalisés. Cependant, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un portage mobile, donc certains compromis ont été faits en termes de qualité de texture et d'effet d'éclairage. Les contrôles mobiles peuvent faire ou défaire un jeu, surtout dans le genre de jeu de course. Heureusement, Art of Rally se manie étonnamment bien sur les écrans tactiles. Vous trouverez des commandes tactiles réactives pour la direction, l'accélération et le freinage. Si vous préférez une expérience plus tactile, envisagez d'associer votre appareil à une manette compatible pour une manipulation précieuse. Et si vous voulez, j'ai déjà présenté une manette très intéressante dans ma chaîne YouTube il n'y a pas longtemps. Elle s'affiche maintenant en haut à droite de votre écran ou en description. Allez la voir après avoir terminé cette vidéo, ça va vous aider. Le cœur de tout jeu de course réside dans sa jouabilité. Et Art of Rally livre la marchandise. La physique est authentique. Et déraper dans les virages est extrêmement satisfaisant. Le jeu propose une variété de voitures de rallye emblématiques de différentes époques, chacun avec ses propres particularités. Les étapes sont de taille modeste, ce qui le rend parfait pour des courtes sessions de jeu en déplacement. Des forêts luxuriantes de Finlande au désert ensoleillé de Kenya, Art of Rally vous emmène en tour du monde. Les paysages diversifiés maintiennent la jouabilité fraîche et les conditions météorologiques changeantes ajoutent une couche supplémentaire de défi. En plus, la bande son, c'est un mélange de mélodies apaisantes et de rythmes palpitants qui ajoutent une expérience encore plus différente et supplémentaire dans ce jeu. Pour le prix de 10$, vous obtiendrez l'expérience complète de Art of Rally sur votre appareil mobile. Compte tenu du contenu, y compris toutes les voitures et les étapes originales, c'est une affaire en or. Malheureusement, pour le moment, il n'y a pas une version mobile, une version Android, mais abonnez-vous, activez la cloche de notification, car dès qu'elle arrive sur les appareils Android, je vais vous informer et je vous tiendrai au courant. En résumé, Art of Rally sur mobile est une adaptation solide de la version PC, bien qu'il ne puisse pas égaler la fidélité graphique de son grand frère sur grand écran et capture magnifiquement l'essence des courses de rallye. Que vous soyez un passionné de rallye chevronné ou un nouveau venu dans le genre, ce jeu mérite une place dans votre liste de jeux mobile. Et voilà, c'était tout pour notre critique de ce jeu. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Maintenant, je vous laisse admirer un gameplay de ce jeu. Sinon, nous, on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. Que la paix soit sur vous. Peace. We'll be right back.
Ouais.